Bonsoir. Salut à tous. Vous allez bien? Bah Ça écoute, va. moi je reviens de la plage donc ça va. Ah bah moi pareil, je fais de la piscine toute la journée là, je suis. Je suis bien brûlée, j'attends de passer sous la douche. Ça. Et j'ai Ah. du à la maison qui est sous la douche, je suis bien brûlée. Je sens que j'ai bien cramé. Ah j'ai compris, je suis Bonsoir. brûlée. Faut qu'il la drague là, s'il te plaît. Attends. Il faisait pas trop chaud, mais c'est on bronze quand même. Moi, il n'y avait pas de problème à venir au départ pour. Comme je te disais, je fais tous les lives des mecs, des trains, je viens de parler à tout le monde. Bah voilà. Comment commencer là? Après, Mais c'est vrai, quand j'ai bu Ange. Foufou, il est foufou. Ouais, quand j'ai bu Ange, c'est sûr. Ah, bah moi, ça s'assure là. C'est bon, c'est. On va pas se mentir. Normal. Et Foufou, il est sauvage. Pourquoi je suis sauvage? Ah ouais? Mais parce qu'il perd tout le monde. Moi, ça parle pas, c'est dégueulasse. Mais faut que je parle. Pourquoi tu viens tout le monde d'avoir des non? Non, c'est pour ça, c'est que moi, les gens qui parlent pas, ils dégagent. Si ça parle Ah pas, ça dégage. Si ça parle, ça je dégage. comprends. Non, mais bon, Moi, je fais 1, 2, 3. Si au bout de 3 secondes, t'as pas parlé, c'est gay. une autre ange. Il y a une autre ange. Une fille qui fait des lives. Elle cuisine des. Enfin, elle fait beaucoup à base de dégâts. Vegan. Elle fait ça sur le goût, je sais pas si tu connais. Non, je fais plus. Moi, je vais pas sur les lives. Enfin, je vais sur deux, trois filles. Mais quand arrive, une femme va sur un live d'une autre, elle vient. Ouais. Ouais, mais moi, ça m'est arrivé. Ouais, qu'est-ce que tu viens foutre sur mon live? Ah ouais, il Espèce dégoûte de de ouf. putain. Oh là là. Pontage Moi, c'est de juste pour non. parler. Ouais. Vous rencontrez des Entendu. gens sur le groupe ou pas? Comment? Vous rencontrez des gens réellement sur le groupe? J'ai jamais osé franchir le cap. Alors. Moi, je l'ai fait deux fois, j'ai été très déçue, donc je ne fais plus. Ah, à cause de quoi? Bah, en vrai, à qu'un, en tout cas, j'apprécie ce live et ta bonne et le foufou. Il y a Benjamin qui t'a marqué En tout ça. cas, je sais pas. En tout cas, je t'apprécie sur Internet, t'as une personnalité fou. Ah, salut Benjamin. Ah bah oui, c'est vrai. Quand j'ai rencontré les personnes, c'était des mensonges. Ah bah c'est clair. C'est-à-dire des mensonges, là, ils ont essayé, c'était de la drague, c'était. Ah, c'est des menteurs. Le dernier, voilà pour te dire, il m'a dit qu'il était à son compte, qu'il montait des chalets, des maisons en bois. Ouais. Bah, Ce mytho. moi, je suis C'était passée avec chez toi. C'était toi qui Il faisais montait monter, des quoi. Legos chez lui, Bah, c'est tout. non, mais il a jamais fait ça. Elle l'a Et cru. puis, ça faisait des années qu'il travaillait pas. Quand je suis passée chez lui, Et des chalets en il m'a caplasse, fils carrément de. mis un pistolet entre les yeux. Quoi? Comment ça? C'était un fou, mec. Ouais. Parce qu'il m'expliquait que toutes les nuits, il dormait les fenêtres ouvertes et tout. Et moi, je lui dis, je dis, mais t'as pas peur? Puis il me sort un canon, là, puis il me le met entre les yeux, il me dit, quoi ce que j'ai? Je dis, ah, mais je fais des rencontres, maintenant. Ah ouais, non, mais il faut pas. Moi je sors pistolet le premier soir. C'est fini. Et... Ouais, ça faisait des mois et des mois que je lui parlais, hein. Des Ouais. mois, des mois. J'ai oublié de te dire, moi j'ai monté la tour Eiffel. Bien sûr. Ah Non, oui. mais c'est des T'habites où, n'importe quoi. T'habites où, Greg? Je suis en Ille-et-Vilaine. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Et là, je suis à Tourcoing actuellement. D'accord. Je ne sais pas où vous êtes, vous. Moi, Nantes. Oh, c'est pas très loin. Non. Ah, ça reste nord. Et Foufou, t'es où, toi? Paris. J'ai pas. Eh, Compiègne, tu le sais en plus. Comme si tu ne le savais pas. Oh Bah, là là. tu parles pas? C'est un live, tu parles pas? Si, parce que on m'a envoyé un message pour me souhaiter bonne nuit. C'est ma meilleure amie, elle m'a envoyé un message. Ah, je vais Ah, meilleur régaler. ami. Et vous êtes tous les deux célibataires? Et moi, je suis célibataire. Déporté? Moi, ouais, je suis célibataire. Ange, je m'attends. On s'attend, je vous Certainement. Stoppé, ruine ce coup, Non, drague mais là. ouais. Il essaye.
Bon, bah, c'est pas sur le bon, on va la trouver. Hein. Il y a de la tension sexuelle, là. Non, de sa part, en tout cas. Non, non, moi, sur le groupe, enfin, sur le site. Ouais, il n'y a pas de tension sexuelle. Toi, t'as fait des rencontres? C'était... J'allais sur... à l'époque, il y avait l'appli Coup d'un soir. Donc, c'est des rencontres. On va boire un café, et puis après, voilà. Un café, mais chez la personne. Et puis le matin, on reboit un café, quoi. Et on s'oublie, c'est ça? Non, on met des carottes, on a. Non, non, je me souviens de tous les cafés que j'ai pris parce que j'aime beaucoup le café. Donc, c'est vrai que. T'es trop sérieux? C'est vrai que, ouais, non, je me souviens de tous les cafés. Hein. Donc, puis, oui, un peu. C'est du quotidien. Après, chacun a sa recherche. Hein. Bah, après, il n'y a pas de recherche particulière, hein, genre, je veux dire. Pour l'instant, il est bien installé dans le troll, les gars. C'est très bien ce qu'il fait. Hein. Même, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Moi, j'aurais peut-être grillé les étapes. Je serais parti chauffer en instant. Il y en a qui se sont mis en couple, quand même. Je l'ai vu. Je pense que même le... Je ne vais pas me contredire. Si là, ce soir, il y a une fille en cam et qui fait quoi demain, il ne va pas dire non. Moi, si la personne me dit « Vas-y, on se voit demain », je lui dis non direct. Ah non, parce que moi je fais connaissance, je préfère prendre mon temps avant de voir la personne. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte, c'est turbo simple là. Moi j'ai une amie, ça fait deux ans, ouais, ça fait plus de deux ans, on se voyait tous les jours à un moment, on se voyait pratiquement tous les jours. Bon là j'ai freiné un peu. Ouais. J'ai freiné. Et ben on s'est vu et on a mis deux, trois mois avant de se connaître, avant de se voir. Deux, trois mois, c'est long. Non. Non, parce que je préfère apprendre à connaître la personne. Voilà, Ange, ça fait un petit moment qu'on se connaît, on se parle. Mais voilà. Mais je préfère apprendre à connaître bien la personne que ça sert à quoi d'avoir. Sur le dossier, on est d'accord. Là, c'est confirmé. T'as, ouais, t'as pas le temps d'apprendre à la connaître. Tu cernes vite les gens. Hein, pour de non, mais même. T'as pas le temps de prendre à connaître la personne. Et en plus, comme moi, j'habite sur Compiègne, il y a beaucoup de gens, ils habitent à Perpète. Ouais. Et moi, avec mon boulot, voilà, c'est pas possible. voilà. Mais vous deux, là, vous connaissez bien, du coup ? Hein ? Non, on se connaît pas, non. Ouais. Il vient sur mes lives, on rigole, c'est tout. Oui, vous avez pas, hein, t'envisages pas de le rencontrer ? Ah non, si un métier il venait sur Nantes, il me dirait, on irait voir un café. Ouais, non, mais je comprends. Voilà. Il va voir le seul. C'est de l'amitié. Ouais. Oui, oui. Non, mais je comprends. C'est bien qu'elle soit. Il va le tèche, regardez les gars. C'est pas de l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui se font beaucoup de films, des fois, ils le prennent mal derrière. Tu vois, ah bah non, d'abord, moi je cherche rien à la base. Moi je suis direct, voilà, tu sais, je ne vais pas faire un métro, je sais pas, un métro foufou, toi. Il y aurait quelque chose pour moi, je ne vais pas le faire croire. Je vais pas lui dire. Tu sens qu'il contient, le gars, il a le seum, il a envie de serrer le point. Moi je ne joue pas avec les sentiments. Non, mais c'est bien, si le foufou est au courant et tout, et c'est clair, c'est mieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont engagées. Il l'a mis dans, il l'a déposé, il l'a pris, il l'a mis dans la zone d'amitié. Ce machin. Quand on les voit comme ça, quand je monte en 4, tu sais, t'as l'impression qu'ils sont froids avec toi. Il l'a pris un transplanète, il l'a foutu dans l'autre zone. Tu peux pas bien parler et tout. Il a rien pu faire, le gars. Donc, mais ça va, du coup, si c'est facile, le couteau, c'est bien que c'est pas les TED. Non, non, même moi, je fais des lives. En plus, regarde, il dit rien, ce guignol. Oh putain, il est sur le dos. Je vais te follow. Je sais pas trop comment on fait, mais je pense que. Mais voilà. Ouais, dommage le son. Les favoriser. moi, je dois vous laisser parce que j'ai des chèvres, je sais pas si je rien. T'as quoi ? Les chèvres. Ah bon ? Les chèvres. Ouais. Voilà. Ouais, c'est un petit kiff que je me suis fait. J'ai commencé à faire mon propre fromage. Et... Donc, c'est sympa. Ouais, c'est cool. Ouais. Donc voilà. Dis, t'es bien ami. Les chèvres et puis. Et après, dodo.
Bah, ok, bien. Bah, bonne chèvre. Ça peut juste te connaître. Exactement, Edion. J'aime bien tout dans la subtilité. Ok, bonne soirée à toi. Ok, à plus tard. Salut. Salut. Applaudissements parce que c'est très subtil et très bien fait. Hein. Oh. Très belle approche. Hein. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Arrête de dire ça va, il est cool. Ils vont s'en prier. Ouais. Bah, je suis Greg, mais t'es un bisque. Salut Nelly, comment ça va? Ça va, on se connaît. Est-ce que ça me dit quelque chose, mais... Tu m'as pour les céréales. De quoi? Tu m'as peut-être déjà vu dans une pub. Je faisais des pubs. Peut-être, je sais pas. Ouais, non, mais après, je pense pas que tu les aies vus. Donc Nazim, t'as tout faux, mon vieux. Atterri. C'était plutôt olé olé. Merci. Tu aimes la corrida? La corrida, non, parce que j'aime pas qu'on tue les animaux. Déjà. Ouais, moi non plus. Bonsoir, Ben. L'écho, ça vient de d'elle, hein, je crois. Je vais me cacher des écouteurs. Quel regard, quand même. Ah non, peut-être que c'est Yemba pour appliquer les enceintes, je sais pas. Donc, t'as atterri sur mon live? Ouais, j'ai atterri dessus, là. T'es venu en curiosité ou en... comme ça? Curiosité. Curieux. Oui. Donc, j'ai vu que t'avais une image avec Squeezie derrière. Une image de quoi? Sur ton profil, il y a une image avec Squeezie derrière. Peut-être, je sais pas, je ne sais pas. Je sais plus ce que j'ai mis comme image. Ouais, mais ça, c'est la ah, chose, c'est elle, ok. Mais moi, ça me fait pareil, des fois, j'oublie. Tu fais quoi dans la vie, Nelly? Ah non, je ne bois pas, déjà, et je ne fume pas, alors... D'accord, ben moi non plus. Je fais quoi dans la vie? Je suis vendeuse en habillement. Je suis vendeuse en habillement. Ah, d'accord. Je vends des habits. D'accord, quel type d'habits? D'hommes, femmes, enfants. Ok, ouais, dans une grande enseigne, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Ok, et tu cherches quoi ici? Alors moi, c'est pour discuter, c'est tout. Après, bon, bah, on ne sait jamais, hein, voire plus infinité, mais c'est rare. Hein. Ouais, après, c'est vrai que des fois, il y a des jeunes barbus qui sont sympas, quoi. Oui, mais il y a des gens, les mecs, que bon, bah, c'est rien, hein, qui s'inventent n'importe quoi, une double vie, tout. Ah, une double vie. Ça, j'en entends beaucoup parler des doubles vies. Hein. C'est assez étrange, cette histoire de double vie. Ça me rappelle une phrase d'un auteur célèbre qui s'appelait Picciarino. Je sais pas si tu as déjà lu ses livres. D'accord. Non. Qui disait « L'être de soleil n'aura jamais l'audace d'un homme de lumière. » Et ça veut tout dire. Parce que ça veut tout simplement dire que mentir, c'est pas super, quoi, en vrai. C'est quand même pas top, surtout pour se faire passer pour ce qu'on n'est pas, quoi. Ça veut dire quoi? Que mentir, c'est pas bien et que voilà, on peut se faire passer pour ce qu'on n'est pas une fois, mais pas mille fois parce que sinon ça se voit, quoi. Tu vois? Donc. Ah bon? Ouais. Non, je veux dire à vous, on est marre. Donc, non, mais c'est pour ça, moi je les baise un peu, ces gens-là. J'aime pas trop. Si je puis me permettre ce genre de mots, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ce dialecte, mais. Moi, j'aime pas trop dénonce. Mentir. Non, je mens pas. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur moi. Ouais. Je m'en fiche. Tant que j'y entends pas, ça, je m'en fiche complètement. Ben, y a plusieurs manières. Hein. D'une, se boucher les oreilles. Ça permet de ne pas entendre ce qu'on dit sur soi. Mais quand ça parle dans le dos, c'est vrai que même dans le dos, si tu te les bouges, des fois, t'entends, quoi. Donc ça, c'est... C'est pas terrible. T'inquiète, Benima, on respecte, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu as quel âge, Nelly, toi?
J'ai 56 ans. Bon, t'es dans la fleur de l'âge encore. Ouais. Oui, ça va. Bah, moi, c'est vrai que j'en côtoie pas mal. C'est vrai que c'est un âge où j'ai bien découvert les clubs échangistes, ce genre de choses. Donc, Ouais. Ouais. Non mais il faut regarder aussi la pépé qu'elle a eue. Je m'en bats les couilles. Parce qu'en fait, je vais témoigner. J'ai été victime justement de ce garçon. Il est venu sur mes lives. Il m'a enregistré à mon insu. J'ai essayé de partir. Ouais, lui là, il y a lui aussi Beaufort là. Non, pas moi. Rien à ouais. Voir. Et je t'ai reconnu, toi. Je t'ai reconnu. Vas-y, je t'ai reconnu. Moi, il y a rien à si, voir. Si, si, t'as même... C'est toi. Si, c'est toi. Mais je si, suis si, pas si c'est toi. Arrête tes conneries, on t'a vu sur YouTube et t'as même balancé la vidéo à comment ça s'appelle à Ange. Mais je suis pas YouTube. Oui, c'est toi. Mais si c'est toi. À chaque fois que je suis sur un live, tu montes. Arrête, ah, arrête Beaufort, arrête, tu changes toujours de pseudo, tu changes arrête. À chaque coup de pseudo. Coco, aide-moi. T'as appelé la police à l'époque? Non, mais c'est lui. Mais hein? Comment tu as fait? Pour t'en sortir. De quoi? Mais ah, mais moi, j'ai laissé faire. Ah non, mais moi, j'ai pas été à la police, j'ai laissé faire. Mais moi, on me refait encore une seule vidéo. Une seule vidéo. Moi, déjà, les filles qui sont prévenues. Une seule vidéo, là, je porte plainte. Sur toutes les personnes qui aura fait la vidéo. C'est pour ça que je me fais plus voir en cam. Ouais, mais t'as bien raison, parce que ces enculés qui mettent ça sur YouTube, moi, je les traque aussi. Ah non, mais. Parce que moi, je YouTube, je chie dessus. Je fais que Twitch. Parce que YouTube, généralement, on va pas se mentir, il n'y a que les bannis qui vont sur YouTube. Donc, Toutes les bannis et vive Twitch. Je sais plus voilà. Quoi faire. Coucou. Ouais, mais bon, moi, on m'a bien balancé sur YouTube, quoi. Alors. Je sais plus quoi faire. Voilà, quoi. Sur mes lives. Ouais, c'était un mauvais acting, j'ai trouvé. On entendait bien que c'était un garçon et pas une fille. Non, mais même toi, parce que toi, tu filmes tout le monde. Mais je filme personne, bah, Coco. Arrête Est-ce de que rigoler. Tu peux... Arrête. Coco. J'ai des témoins. Moi aussi, une fois par semaine, ils viennent avec des petits livres et ils toquent à ma porte pour prendre la belle parole. Je les laisse pas rentrer parce que je veux pas acheter leur merde. J'en fais pas tout un fromage, Coco. Mais moi, après, voilà, moi, je me fais plus voir sur, Merde, sur je voulais, mon live. Je voulais me montrer, c'est trop tard. Et maintenant, la prochaine fois qu'il y a une vidéo sur moi, même que je suis pas en live, que je suis en live sans me faire voir, qu'il y a juste ma parole, je kiffe trop sa voix. Juste que je suis en train de parler, tant pis pour vous. Ouais, je comprends, mais pourquoi tu m'assimiles à ça? Je comprends pas, moi. Mais parce que tu étais dans le coup, Beaufort. Mais est-ce que tu as des preuves? Parce que si on doit monter un dossier contre moi ou contre quelqu'un d'autre, il faut peut-être des preuves. C'est quoi la preuve? T'inquiète pas, il y en a beaucoup qui ont vu les vidéos. De moi ils et de en plus. Ils ont vu. Fais attention, tu fais des liaisons dangereuses, ça va finir dans un mauvais film, ça. Non, mais les vidéos de moi et de Ange, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu. Mais Ange, il n'y a jamais eu de soucis. Ange n'a jamais fait ça. Ange, tu te rappelles du Ange, celle qui prenait ses bains? Oui. Celle qui a sucé une c'est carotte. Tout le monde, on se lave. Vous en souvenez ou pas, les gars? C'était sa pote. Tiens, bah, mon loulou. Mais bah, arrêtez. Parce que le premier qui me remet encore sur YouTube, tant pis pour vous. Ouais. T'as compris, le YouTuber. C'est hein. Un live tant pis à pour la toi. Base. Par contre, Olivier, tu montes en cam, te fais pas voir. Parce qu'il y a encore les youtubeurs qui viennent me faire chier, là. Ouais, fais gaffe, Olivier. C'est qui, la Younes? À mon avis, Younes, tu vois, mon chef, avec un prénom pareil, j'ai bien idée. Hein. Non, mais de quoi? Non, c'est un pote de Régis. Mais c'est bizarre, le live. Mais c'est bizarre, les gens, ils arrivent d'un coup comme ça, quoi. Je sais pas, non, mais... ils sont tous cons, Coco, ça ils n'arrêtent pas. C'est n'importe non, mais quoi. Vous allez... Les gens sont mon live. Je vais vous dire un truc. Olivier est témoin. Hein
je suis pas emmerdé sur mon live. Alors, venez pas me recasser les couilles dans mon live. Vous avez entendu les gens sur le live ? Venez pas casser les couilles de Coco, là. La lyonnaise, non. Mais non, on fait monter Chana. Non, non, je monte plus personne en cam, à part que mes modos. À part que tes modos ? C'est qui tes modos ? Ah, ça, je le dirai pas, mes modos. Ah. Olivier, t'es encore là ou pas ? Déjà, Olivier, c'est un modo à moi. Ah, bah, tu l'as dit, du coup. C'est bien. Olivier, je le mets sur la blacklist YouTube. Mais par contre, Olivier Mifito, parce qu'ils vont nous faire passer sur YouTube. Olivier, je viens de l'inscrire, du coup. Tu m'as donné son pseudo, il passera sur YouTube. Hop là, c'est fait. Voilà. Mais Olivier va passer sur YouTube. Ah bah, tu viens de me dire son pseudo. Il y a qui d'autre comme modo ? Eh ben, tu vois pas qu'il y a les modos, mais cassez pas les couilles, me cassez pas les couilles. Vas-y, cassez-vous tous ceux de mon live, là. Cassez-vous, là, les gens sur le live, là. Cassez-vous, là. Dehors. Non, non, mais fais pas l'ignorant non plus, toi. Parce que les youtubeurs, venez pas me recasser les couilles dans mon live, s'il vous plaît, merci. Les youtubeurs, là, cassez pas les couilles à Coco et revenez pas lui casser les couilles sur le live. L'italien, t'es actuellement sur YouTube. Je sais, je suis sur YouTube et que je n'ai pas branlé. D'accord ? C'est ce qu'on lui dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Cassez-vous, là, l'italien, casse-toi, là. Mais venez pas tous sur mon live, qu'est-ce que. Eh ben, mais putain, vous me cassez les couilles à venir là. C'est fou, pourquoi ils veulent te casser les couilles comme ça, là ? Bien joué, Olivier. Ça, merci. Un bon kick. Mais non, vire-les tous. Vire-les tous. Olivier, vire-les tous. Parce que là, c'était... Eh, mais Soso, ta gueule. Voilà, merci, Olivier. Soso, ferme ta gueule. En plus, c'est un YouTuber, Soso. Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Il y a les YouTubers, là, qui sont revenus sur mon live. Ils vont me casser les couilles, là. Arrêtez de me casser les couilles. Arrêtez. Moi, je te soutiens, Coco, parce que je trouve ça nul. Ah non, mais moi, je vais regarder sur YouTube. Si j'ai une seule vidéo sur moi, tu vois, je note tous les noms qui viennent là. La lyonnaise et tout. Je note tous les noms. La lyonnaise. Tu vois, de tous les noms là. Et je note tous les noms. Et là, vous verrez. Vous aurez des nouvelles après. Alors, méfiez-vous. Dis-leur, Coco. Hein. Méfiez-vous, les YouTubeurs. Là. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ouais, mais vous inquiétez pas, parce que arrêtez de me casser les couilles, s'il vous plaît, merci. Arrêtez de lui. Les gars, elle s'est plus montrée depuis au moins un an, les gars. Putain, l'arc Coco aussi, putain. Il était énorme. Il faut avoir suivi. Il y a quelqu'un qui dit que t'es raciste, Coco. Moi, je suis raciste. Stick a dit que je suis raciste et j'emmerde. Ah, bon, bah ça va. Donc, pareil, hein, les racistes, on vous emmerde. Hein. Ah, mais mon Dieu, pourquoi t'as pas. Alors là, ça m'étonne rien. J'ai fini tout. J'ai fini tout, Youpala. Je suis dans la merde. Merde. Elle a allumé la tablette ? Elle regarde si je suis là ? Je m'en bats les steaks que t'es pas youtubeuse, que t'es du youtubeuse. Je m'en bats les steaks. Moi, j'ai porté. Moi, je revois une seule vidéo sur ma gueule. Mais je vous préviens, les gens. Hein. Je porte plainte. Là, je m'en fous, je porte plainte avec tous les. Et j'ai des captures d'écran. Hein. Moi aussi. Allez chercher dans l'histoire. J'en ai une de la fille LEC il n'y a pas longtemps et du truc de KRL aussi, avec les scores. Donc, je vais vous dire une chose, s'il faut les. Ah oui, c'est mon anniversaire, les gars, on va passer minuit. Ah ouais, mais minuit 25 juillet. Ça fait plaisir. Oh, je suis vieux. Et je tiens à dire. Merci les mecs dans le chat, vous déchirez bon les amis. Bon anniversaire Riri aussi. Et Coco, si tu peux dire bon anniversaire Riri parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah bah oui, c'est ce qu'il fait. Bah oui, depuis là encore compris. Avec moi sur merci leur limon de grab. Merci les amis. La lyonnaise, ouais, t'es gendarme et puis mon cul est policier. C'est vrai ? Bon, Coco, merci je te ça. Laisse parce qu'il faut qu'il y a un anniversaire qui se prépare. Ouais, il y a un anniversaire, les gars. Donc, ouais, moi, vas-y. vas-y. Maintenant, cassez-vous tous ceux de mon live. Merci. Cassez-vous, là, tous ceux du live. C'est catastrophique, c'est un fiasco total. Olivier, casse-toi aussi, là. Moins, ça. Olivier. Mais qu'est-ce que vous faites, là?